voisins, je viens enfin de trouver Luc sur Internet communautaire avec des gars. Punaise, coucou, c'est Ange Féminin Masculin 2. Sur les Sims 2, j'ai la famille Moderno. J'étais en train de filmer hors caméra. Putain, j'étais en train de jouer hors caméra parce que j'avais envie d'essayer de trouver Luc, parce que j'en avais vraiment marre. Et là, j'étais concentré à devenir meilleur ami avec Antoine Joubert. Tout d'un coup, qui je vois qui s'approche de moi? Luc! Du coup, je me suis dit, il faut que je filme. Parce que punaise, j'en ai chié, mais chié. Donc, on va te choper direct, discuter, papoter. Mais genre direct, quoi. Et t'as pas intérêt à te casser. Vas-y, bug pas. Voilà, coucou. Il est adulte dans 5 jours, en plus. Donc, il a le temps de vraiment devenir presque ami avec lui et tout. Comme ça, après, ils pourront emménager ensemble tranquille, quoi. Oh mon Dieu. Alors, par contre, peut-être qu'il faut être amoureux pour emménager ensemble. Je ne sais pas. Tiens, du coup, tu es du bâtiment. Comment on dit l'expression pour dire que t'es homo, c'est tu es à voile et à vapeur. Mais il y a un truc aussi avec le bâtiment, non? Je crois. Donc, comme quoi, là, la bulle, hein, tout est lié. Ah non. De toute façon, maintenant que je le connais, je peux même l'inviter et... Enfin, l'inviter, non. Ah non, on se connaît pas assez pour l'inviter, donc faut quand même que je le retrouve. Par contre, je pourrais lui parler au téléphone. Enlacé déjà? Non, mais ça va bien, toi. Faut pas déconner, quand même. Oh, merde. Je vais rajouter plus d'échiquier ici, hein, parce qu'on aurait pu jouer ensemble. J'aurais pu l'inviter à me rejoindre et du coup, j'aurais remonté ma distraction et mon court terme avec lui. C'est dommage, bon. Ah! Ah, mais désolé, mais alors du coup... Ah non! Vas-y, mais casse-toi, quoi. Ah, dis-moi que tu te casses, oui. Ouais, courir ici. Grouille-toi, je t'en supplie. Je peux pas le rejoindre, aucune action n'est possible. Mais si, je veux te rejoindre. J'ai le droit de te rejoindre, bordel. Mais d'où je peux... Vas-y, putain, sérieux, quoi. Mais d'où je peux pas le rejoindre? Mais c'est hallucinant, cette histoire. Comment ça, je peux pas le rejoindre? Je peux pas cliquer sur rejoindre la partie. Mais c'est hallucinant, je peux même pas regarder et tout, hein, rien faire. Du coup, je lui parle pas, super. Putain, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce manque de bol, là? Ok, bah, désolé, mais alors, du coup... Jouer? Mais non, mais discuter, papoter... Ouais, ah, s'entraîner, voilà. Putain, il y a eu un bug, là. Hé, m'en fous d'être fatigué, tu vas me rejoindre. Ah non. Proposer de participer, Goliossé. Voilà. Punaise. Oh non! Il se casse. Punaise, bah, remarque, j'étais fatigué aussi. Eh ben, on va pouvoir rentrer chez soi. Ouais, alors du coup, je vais devoir aussi retirer les éviers, je pense, de dehors. Parce qu'il me semble qu'il faut que ce soit dans un endroit fermé pour que ça prenne en compte. Parce que sinon, là, voilà, encore une fois, faire la boniche sans que ma barre de compétences augmente, ça ne m'intéresse pas. Oh, on a enfin parlé à Pépère. Oh, franchement, c'est bonheur. Allez, appelez un taxi. Il revient. On ne t'arrête plus, mon chéri. Discuter, rago. Oh, rago. Rago. Ah, rago. Divertir, blaguer et ensuite jouer, chatouiller. Vas-y, reste là. Hé. Hey. Ouais, me faites pas chier, hein. Je vais te bouffer le zizi, Luc. Oh, hey, j'ai bien la tête, genre. Oh, ça te donne envie, hein. Coquin. Par contre, le long terme n'avance absolument pas. Oh, partager des centres d'intérêt, ça peut être pas mal. Ah, oh là, merde. Coup punaise. Oh là là, carrément. Moins pour lui, dis donc. Ah oh bah, je peux pas l'enlacer, c'est mort. Bon, l'énergie, c'est pas possible. Allez, appelez un taxi, je suis vraiment obligé. Ah, oh, c'est dommage. Allez, hop, on y va. Oh punaise, dis donc, c'était chaud, hein. Mais on y est arrivé, enfin. Bon, alors, nous revoilà à la maison. Que je lui ai fait dormir un petit peu vite fait pour avoir l'énergie dans le orange, parce que la distraction, j'aime pas le laisser dans le rouge, c'est toujours la misère après pour le rattraper. Donc, je lui ai fait dormir un petit peu, genre une heure Sims, je crois. Oh là 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 là, dis donc, hein. Mais vivement qu'il soit adulte, parce que vraiment, j'en ai vraiment marre de ce terrain. La déco me... Ah, yes, ça rame du cul. Allez, courage, 8 FPS de mes couilles, hein. Rasé. Plus, je les ai rasés aujourd'hui, on est vendredi. Et les vendredis, c'est rasage de couilles. Ah, faire le mur avec Rudy. Non, mais tu ne vas pas choper Rudy. Tu vas choper Luc. D'accord? Oh, il est déjà ami avec lui, j'avais pas fait gaffe. Oh, court terme 3. J'avais pas vu ça sur le terrain communautaire. Hein. Oula, tirer la chasse, qui est-ce qui a déposé une pêche? Bravo. Il me semble que c'est toi, hein, Gaël. Bah, dis donc, je te félicite pas. Oui, alors Pépère, je le fais méditer, ce qui me saoule. Hein.
Vous avez vu, hein, je le fais méditer. C'est juste que je voudrais qu'il soit au long terme, Pépère. Donc, non. Il doit aller au boulot. Mais c'est pas grave, on va le faire méditer comme ça, c'est très bien. Voilà. C'est de la triche. Non, c'était un mécanisme du jeu que j'utilise. Alors que j'utilise à mort, mais en parlant du mécanisme que j'utilise à mort, j'aurais peut-être pu prendre la machine à jouir. Hein. Il me restait encore 4 options. Ah oui, mais la machine à jouir, il faut qu'elle soit faite. Pas que la jauge descende trop, parce que sinon, je pourrais pas l'utiliser. On va voir si on peut y arriver. De toute façon, oui, j'aurais pas pu le prendre pour Pépère. Il a la jauge dans le verre, donc c'est pas possible. Voilà. La machine à jouir, allez, bien sûr. Oui, ça fait du bien, ça. Hein. Vas-y, montre-nous la machine à jouir. Je pense qu'elle prend son pied. Hein, voilà. Environnement pourri. D'où est l'environnement est pourri, s'il te plaît. Ouais, allez. Ta goule, on a un peu compris quand même. Du coup, Diego et Gaël sont revenus du lycée, donc je vais appeler le transport et on va aller sur le terrain communautaire. Enfin, je vais essayer d'inviter un Sims, voilà, je vais voir déjà si ça fonctionne. Je suis pas sûr qu'il veuille, hein. Mais il est ami, peut-être que oui, hein. Dis-moi que t'es là, par contre. S'il dit ok, c'est super. Ah oui ! Le zizi, il est dur, là, hein ! Et t'as intérêt à avoir ta promotion, toi. Ouais ! Oh là là ! Alors, où est-ce qu'on va, du coup ? La piscine. Ah, la piscine, ouais. Comme ça, on va le voir à poil. Oh, j'avais pas remis. Mince, je pensais avoir appuyé sur le truc et ça a pas marché. Je comprends pas pourquoi. Allez, prends le screenshot. En plus, avec Charlotte qui nous regarde en mode... ça va baiser bientôt. Et ouais. Allez, screenshot. Avec la main et tout, c'était drôle. Allez. Putain, il y a ma touche qui marche plus, là. La touche pour faire le screenshot. Je comprends pas pourquoi elle marche pas. Ah, putain, ça y est. Et donc... attention, hein, ta tranche. Alors, on peut peut-être se permettre des choses un petit peu plus osées, peut-être. Allez, enlacer, ce serait pas mal. Mais bon, j'y crois pas, le... ah, mais de toute façon, c'est sûr qu'ils pourront pas se draguer, je suis bête. C'est pour ça, tout est très limité, puisque c'est un ado. Ah, mais attends, peut-être que je peux faire autre chose, alors. Casual. Flirt. Charme, on va voir. Hé, 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 ça marche. Waouh, il avait envie de se faire draguer, apparemment. Ouais. Voilà, c'est amicalement, ça va aller. Putain, t'acceptes que je te charme et pas que je t'enlace, tu pue du cul, tu pue du cul! Ah, merde, de nous regarder à chaque fois là, vous faites stresser. Bon, alors je vais continuer à flirt, charme, flirt, oui, Eton. Ouais, c'est dégueulasse, je sais, mais ça va me. Hein, bon, ça compte bien dans les points, remarque, j'espère. Bon, les points à court terme, en tout cas, ils sont tranquilles. Hein. Ah, oula, je peux plus rien faire, après ça veut dire qu'à mon avis, il va vouloir se barrer. Ah, bah voilà, il veut se barrer. Ok, oui, non, mais j'ai bien vu, hein, le... Non, j'ai le niet. Ouais, bah, j'ai bien vu. Bon, bah, c'est pas grave, on va rester un petit peu ici, quand même. On va aller se laver, hein. Et j'ai... Putain, mais j'avais changé le truc, mais je comprends pas. Je comprends pas. J'avais changé ça, il me semble. Bon, on va aller faire Claude François, voilà. Chasser, mais d'où je le chasse? Il est pas chez moi, il est sur le terrain communautaire, comment je me permets ça? J'avais changé ça de place, hein, je comprends pas comment ça se fait que ça me saoule. Me dis pas que sur le camping, vous savez quoi, attendez, je vais aller sur un autre terrain. Voilà, parce qu'en fait, j'ai remarqué la dernière fois que quand je suis revenu après hors caméra pour retourner sur le camping, il y avait encore la télé au niveau du feu de camp, la télé invisible. Alors que je l'avais changé en caméra avec vous et tout. Et à chaque fois que je quitte une session de tournage, je sauvegarde le dossier. Donc, j'ai pas compris. Et là, j'ai l'impression que ça m'a refait pareil. C'est très bizarre, là. Je comprends pas ce qui se passe. Donc là, j'ai refait une deuxième fois le changement du feu de camp. J'ai enlevé la télé et j'ai mis les livres. Parce que du coup, les livres n'avaient pas été remis. Et les lumières aussi. Il manquait des lumières au niveau, vous savez, des fléchettes. J'espère que ça l'a fait, donc c'est pour ça. Là, je voudrais vérifier tout de suite en allant sur le camping pour voir. Ah, non, c'est bon, il y a les livres. Bon, alors peut-être que j'avais oublié d'enlever la... Peut-être que je l'avais fait il y a un petit moment, alors, le changement de la lampe, mais je me souviens de l'avoir fait, pourtant, bon. Oh là, il y a du monde, et Antoine Joubert! J'ai envie d'être meilleur ami avec lui, donc c'est bien, si je peux essayer de... Hein. Mais attends, 21h, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! La vache! 10! Ah non, j'ai cru qu'il y avait André ici. Non, non, c'était une feuille. André, je t'ai confondu avec un arbre. Vas-y, va le voir. Arrête! Il te bloque pas! Mais arrête! Tu pures! Allez! C'est vraiment de plus en plus con, j'ai l'impression. Oh non, casual, il va se barrer, mais c'est pas vrai, quoi! Oh, le couvre-feu, c'est même dans les Sims maintenant? Putain! Eh, hey, il est encore là, Rudy, hein, il se barre pas. Ah, non, mais ici, il se barre, en fait. Non, mais Irène Lamy, elle est ado, elle se barre pas.
Bon, allez. Ah oui, du coup, j'avais aussi enlevé les éviers en bois qui me servaient à faire la vaisselle. Parce que du coup, si le mets à l'intérieur, je veux voir si la jauge apparaît. Je pense que la jauge apparaît, perso, mais on verra bien. Du coup, je vais quand même aller faire pipi en attendant. Ah, et je devais aussi bouger les toilettes. Je ne l'avais pas fait. Je crois que je ne l'avais pas refait. Ah bah si, j'avais dû le faire aussi. Tiens, c'était ces toilettes qui buguaient. On va voir. Ok, je l'avais bougé pourtant, donc ça veut pas. J'ai compris. Enfin, j'ai compris. Non, je comprends pas pourquoi, mais c'est pas grave. Dis-moi que la jauge apparaît quand c'est en intérieur, je t'en supplie. Non. C'est quand même pas normal. Bah, là, vraiment, je ne comprends pas pourquoi. Enfin, il n'y a aucune raison, quoi. C'est quand même dingue. Au parc, la jauge, elle apparaît. Ah, mais ça dépend peut-être de l'évier. Je pensais que ça allait faire comme les bambins. Vous savez qu'on ne peut pas changer avec le miroir parce que c'est des miroirs téléchargés, mais là, ça n'a rien à voir. Ah, bah, j'ai gagné un point, super. Génial. Ah, bah oui, j'étais pas loin du point de nettoyage, alors du coup, c'est cool. Oh, mais je pourrais dormir là si je veux. Dormir. Aller dormir en pyjama. C'est le but d'avoir des lits sur les terrains communautaires. Maintenant que je peux dormir sur les terrains communautaires, franchement, je vais pas me gêner, hein. Bon, par contre, c'est vrai que cet endroit sert un peu à rien. Il est beaucoup trop. Les Sims dorment pas sur place. C'est un peu dommage. Donc, c'était juste pour mes Sims. Donc, en gros, les endroits que je fais où je dors sur les terrains communautaires, c'est juste pour mes Sims, quoi. Parce qu'ils restent pas sur place, les autres. Donc, bon. Ah, il fait jour. Mais non, mais à 2 h du mat', pourquoi tout s'éteint? Je sais pas, on a la vision nocturne à partir de 2 h du mat ou comment ça se passe? Bah non, allumé extérieur. C'est quand même plus joli en plus. Donc voilà, le A de la cité, je t'ai chopé et tu vas prendre cher du derche. Alors par contre, la souris qui bug, va falloir arrêter. Tu te fous de moi la souris? Attends, elle voulait pas se déplacer. Tu me connais pas, moi je vais m'occuper de ton cas. Putain, je vais être en hyper bonne condition, je vais revenir nickel. Oh, tous mes désirs se refont! Oh bah super, je vais manger des trucs que je peux pas avoir sur le terrain. Oula, attention, embouteillage dans les chiottes. Oula les mecs, vous allez faire des choses ou quoi? Ah bah alors là, et toi pauvre con, ouais voilà, j'allais dire, il y a trois éviers, tu vas dans ce lit où c'est bloqué. Mais non, mais remarque, il va quand même pas pisser devant moi. Ouais bah 2 secondes. Ma jauge, elle augmente pas, c'est chiant. Tant pis, tant pis. Ouais, mais du coup, je fais encore de la boniche pour rien. Faudra que je mette peut-être le. C'est quand même dommage parce que. L'évier que j'ai mis sur le parc, il est bien pour le parc parce que ça fait ambiance toilette publique. Mais là, je voulais qu'il y ait des éviers qui fassent un petit peu thématique aussi et qui soient un peu raccord à l'ambiance. Donc, si ça marche que avec l'évier de base du jeu, c'est chiant, mais je serais prêt à le mettre quand même pour que les nettoyages soient utiles. Bon, bah écoutez, Luc, du coup, on en est où là avec Luc? Le court terme, c'est 90, on est tranquille. Ouais. Donc, j'ai bien fait d'aller au camping, hein, finalement. Non mais n'importe quoi, j'ai pas rencontré Luc au camping là. Oh, mais je me mélange. Mais vous savez quoi? Il est quelle heure il est? Il est presque 20 h, je crois que j'ai faim. Allez, on rentre à la maison. Je vais garder les bouffes en désir parce que c'est facile à faire, donc ouais. Allez, t'es content, 500 euros. 500 petits trucs, ouais. Ah! Devenir l'ami proche de Luc. Oh, mais t'inquiète pas que ça, on va le devenir. Dans 4 jours, il devient adulte parce que ça serait bien qu'il devienne adulte parce qu'il n'y a pas assez d'interactions là. Il n'y a pas assez d'interactions et c'est très chiant du coup. Ça me gave pas mal. 4 jours, ouais, donc à la fin de la semaine, il devient adulte. Honnêtement, franchement, ça vaut le coup d'attendre qu'il soit un peu adulte, quoi. C'est juste que je voulais qu'il soit amoureux et qu'il déménage tout de suite, mais de toute façon, pour avoir des sentiments amoureux, il faut absolument qu'il soit adulte. Donc, mon mode, il n'est pas si cool que ça, en fait, hein, franchement. Enfin, il n'est pas si pratique que ça, quoi. Oh, il reste 2 jours avant l'anniversaire de Juan. Oh là là! Eh bah, pépère, tu vas bientôt vieillir, hein? Bah oui. Bon, et puis vous savez quoi, je vous laisse sur ça. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Pour une prochaine vidéo. Bisous!